Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner. Et voilà, c'est cassé, Chou. Hé, Mika, trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je ne peux plus être mêlé aux aventures à la con des Goonies. La seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. En route. Allez vous coucher. Je serai sur le pont. Qu'est-ce que vous allez foutre sur le pont? Interroger une de ses camarades. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans votre enquête, mais à nous deux, ça va changer, croyez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Et vous vous enfoncez sans réagir? Si je réagis, je m'enfonce encore plus. C'est bien connu, il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Ben, si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. C'est fini, oui. Excusez-moi, mais je crois que j'ai un ticket. C'est une pute. 50 dollars, elle se couche tout de suite. Je crois que vous foutez le doigt dans l'œil. Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas. C'est pas son jour, dis-donc. C'est jamais son jour. Il est tombé? Sûrement, oui. Ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Cloud. Il y a eu une tornade à Saint-Cloud? J'avais acheté une bouteille de butane et... Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça va pas? Si, si, ça. J'en peux plus. Avez-vous jamais été valet de chambre? Moi, oui. C'est un métier qui mène à tout. Voilà, j'étais avec mon maître en Chine et nous avons eu quelques ennuis. D'ailleurs, c'est là que tout a commencé. Mais reprenons par le début. On va nous manquer. Si jamais nous échouons, nous devrons encore attendre 5000 longues années. Eh bien, croyez-moi, il me faudra moins de temps pour pouvoir mener à bien cette entreprise. Cette année, les planètes vont s'aligner. Les Illuminati ont juré de ramener leurs ancêtres à la vie. Le temps va s'arrêter. Avez-vous entendu parler de l'horloge des âges? Elle donne à son détenteur le pouvoir de la lumière. Le sort de l'humanité... Que l'enfer éternel renaisse! ...est entre les mains d'une seule personne. Commence par... Jack Colton et John Wilder. We're romancing a new kind of stone called the Jewel of the Nile. I practically got it in my hands right now. The only thing stopping me is this big shot Arab who stole it. And is not too thrilled to part with it. Look out! But that's only the tip of the iceberg. Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones. Le docteur Jones a trouvé Nourachi pour moi. Et il est ici pour me le remettre tout de suite. Qui c'est enfin ce Nourachi? Veux-tu ranger ce revolver, fiston? Qu'est-ce que je m'amuse? Oh, extra! Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique. Quel genre de recherche feriez-vous sur moi? Activité nocturne. Ma position favorite pour dormir. Fréquence des rapports. Parce que vous faites autorité en la matière. J'ai des années d'expérience pratique. Oh, cesse de te plaindre. Écoute les yeux de la tête, ce parfum. Shiva lui a parlé et lui a dit d'aller combattre le mal. Afin d'assurer sa victoire, il lui a fait don de 5 pierres sacrées douées de pouvoirs magiques. Des pierres magiques, fortune et gloire. Il vaudrait mieux que vous dormiez près de moi. Oh, par sécurité, bien sûr. Docteur Jones, un serpent me paraît moins dangereux que vous.
parlera moins longtemps. Quête du Graal, la recherche la plus importante de sa vie. Mais pour certaines aventures, un seul Jones ne suffit pas. Oui, père. Junior. Vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Suivez-moi, je connais le chemin. Une course au travers des trois continents. Alors maintenant, ils ont mon plan. Et dans ce genre de course, il n'y a pas de médaille pour le second. Accrochez-vous, on va se poser ! Qui les mène au cœur du pays ennemi. Les nazis, je hais ces gars-là. Tu ignores ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est de l'or aztèque. Et cet or, les dieux païens l'ont protégé par une terrible malédiction. Notre quête a duré 10 ans. Nous avons retrouvé jusqu'à la dernière pièce, à l'exception de celle-ci. Poupée. Ils ont enlevé Elisabeth. Bienvenue à bord du Black Pearl. Il faut la sauver. Par quoi proposez-vous qu'on commence? Ce Jack Sparrow, il nous a parlé du Black Pearl. Faites-lui une offre, il peut nous y conduire. Vous oubliez votre place. Vous n'êtes qu'un forgeron. Tirez-moi de cette cellule, et sans nul doute, je vous conduirai au Black Pearl et à votre jolie demoiselle. Tu es un pirate. Tu oublies un truc primordial, camarade. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Je suis pas sûr que je la mérite. J'ai cru avoir papa. Je crois que je deviens folle. Lara, ton père nous a quittés. Il arrive un moment où il faut se demander qui on est. Et qui on est supposé devenir. Je crois savoir où mon père est allé. C'est juste au milieu de la mer du diable. Ce sera une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Qu'est-ce que tu fais ici, Lara ? 7 ans que je suis sur cette île. C'est ton père qui m'a cloué ici. Maintenant, je vois la ressemblance, l'intelligence, la témérité. Qu'est-ce que vous savez au sujet de mon père ? Lara, dans ma vie, il n'y avait pas que les conseils d'administration et les gros contrats. Il existe une organisation nommée Trinité. Cherche à déclencher un génocide mondial. Ton père choisissait bien ses lieux de vacances. Il avait le don de surprendre. Tu dois les arrêter, Lara. Promets-le-moi. Attends ! J'y crois pas. Les dames d'abord. Ouvrez la tombe! Posez votre arme! C'est ton doigt qui presse la détente. Vous en êtes pris à la mauvaise famille.